Salut, salut, donc pas de surprise, on continue, c'est l'avant-dernière, donc avec la Aquarius. Donc c'est enfin mon signe, il était un petit peu temps, j'ai envie de dire, j'ai pas de chance, je suis vraiment à la dernière dans le classement, enfin une des dernières. Donc c'est la Ambitious Aquarius, donc ambitieux. Je suis trop bilingue, c'est un truc de fou. Et on part dans les tons bleus, n'est-ce pas? Voilà, et celui-ci est exactement la couleur de mon pull. Donc, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Le ratio, on est sur 4-5 mats. Donc, les mats ici et ici. Deux satinés et un irisé. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le make-up. Alors, je vais commencer avec un pinceau bulle et la teinte que j'ai le plus envie de tester, la Original. Oui, c'est vrai que je suis originale. Il y a quoi comme définition? Une predictable. Je sais pas ce que ça veut dire. Integrity, ça c'est vrai. Freedom, c'est vrai. Visionary, c'est vrai. Excentrique. C'est vrai. Making waves. Making waves. Qui fait des vagues. Oh, possible. Et indépendant. Totalement vrai. Voilà. Ils sont vraiment. Alors, je ne sais pas ce qui est écrit sur le côté parce que c'est écrit en anglais et très compliqué à lire. Mais je pense que j'irai traduire ça plus tard. Bref. Donc, je commence par mon coin externe avec ce bleu-là. Voilà. Qui est super. Je fais également mon ras de cils. Donc on va voir si c'est les bleus qui pêchent. Comme je vous disais, les mauves ont un léger souci de dégradation. On va voir si c'est à cause du bleu qui est à l'intérieur des violets. Pourquoi on revient autant sur ma paupière? Moi, j'ai pas besoin. Je suis n'importe quel nawak. Donc je commence déjà à dégraser. Et je pense pas que ce soit les bleus qui pêchent. Donc c'est très bien. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'était vraiment celle qui me faisait envie dans les mats. Enfin, les deux autres aussi, hein, je dois avouer, mais celle-là, elle a attiré mon regard direct. C'est pas vraiment un bleu canard, c'est pas vraiment un turquoise. C'est un peu entre les deux. Voilà, on viendra réintensifier après. Je prends un autre pinceau boule et je prends le Visionary qui est juste en dessous pour continuer mon creux. Donc je fais le centre de mon creux. Alors on voit une légère différence, mais c'est pas flagrant. Mais il y en a une petite quand même. Pareil pour mon ras de cils, le centre de mon ras de cils. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus le contraste des deux teintes. On le voit, hein, mais c'est vraiment très léger. Dommage. Donc j'essuie mon pinceau, parce que je suis ma grosse feignasse comme d'hab. Et je prends le Making Waves, donc le Mint, qui est la couleur de mon pull. Et j'achève mon creux. Et pareil, je termine mon racine. Je garde toujours le même pinceau. Je vais finir jusqu'au bout aujourd'hui. Hein. Donc je l'essuie. Et je vais prendre le Freedom pour dégrader légèrement toutes les teintes. C'est plus un couleur jeans.
Il est un peu moins pigmenté celui-ci, j'ai l'impression. Après, j'en prends vraiment pas beaucoup, mais. J'ai l'impression que je fais un peu plus de tâches. Il faudrait voir en aplat. Donc la prochaine fois, il faudrait que je pense à utiliser celui-ci en aplat pour voir ce que ça donne. Et coup d'estompeur propre. Quelle surprise. Alors ensuite, je prends un pinceau plat et je vais attaquer avec Integrity. Donc qui est en noir, mais pas mat. Il est satiné. Il y a un poil rebelle dans mon pinceau. Et je vais mettre ça en coin externe. En ras de cils externe. On dégrade sur la paupière. Et avec mon premier pinceau, on dégrade. Encore une surprise, c'est incroyable. Je suis sûre que vous savez dire à l'avance ce que je vais dire dans mes vidéos. Ah oui. Bon, je dégrade bien en tout cas. Après, c'est pas un noir super opaque non plus, hein. J'essuie mon pinceau et je reprends la première teinte originale pour le réintensifier et peaufiner le dégradé. Et je réestompe avec le pinceau estompeur. Et je prends la teinte excentrique pour faire l'autre moitié de ma paupière. C'est un petit gris argenté taupe, très joli, très discret. Donc je vais reprendre un petit peu du Integrity pour faire un joli dégradé ici. Je prends un petit pinceau pour le coin interne et je vais mettre le indépendant. Et, ouh. Ouh. Là, c'est de la pétouille. Château. Sublime. Alors, j'en prends un petit peu au doigt pour mettre au centre de la paupière. Il est supra lumineux. Magnifique. J'adore. J'aime beaucoup ce fard. Voilà, donc je vais faire un trait de liner, je vais mettre des paillettes, je pense que je vais mettre des argentés en creux et sur la queue de mon liner. Je vais mettre un crayon, la couleur de mon pull en muqueux, je vous dirai après, sur les lèvres, je ne sais pas. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après. Voilà le look final avec cette palette. Bref, alors liner, j'ai mis le liquid ink comme d'habitude que je viens de terminer. En muqueux, j'ai mis le fresh de chez Colourpop. Voilà, je ne trouvais plus son nom. Et j'ai les paillettes, j'ai mis le Kiko 02. Hein. Ouais, c'est bien ça, puisque le 01, je l'ai terminé. En argenté. Et sur mes lèvres, j'ai mis le crayon soir et le mini de JHM, comme ça, que j'essaye de terminer. Et c'est un très joli combat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Ah oui, et j'ai mis les fossiles Shein, parce que j'ai un peu foiré mon liner. Donc, comme ça, ça camoufle. Astuce. Mais j'aime bien. J'aime bien. Alors, rien que pour les deux fards là. Voilà, celui-là j'aime beaucoup aussi, il n'est pas hyper noir, il n'est pas super opaque, mais comme il est satiné, c'est un peu normal. Mais voilà, pour foncer le coin externe, il est idéal. Celui-là j'aime bien aussi, il n'y a que celui-là qu'on n'a pas testé. Donc c'est une bonne moyenne, et celui-là il faudra que je le teste en aplat, parce que là pour dégrader, il n'est pas foufou quoi. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est comme je vous ai dit depuis le début, j'aime bien quand c'est un thème, une concordance de teintes, quoi, une color story d'une couleur unique. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez
dans le lot des 12. Vous voyez ce que je veux dire? Alors demain, c'est la dernière avec la poisson. Voilà, et on continue dans le bleu-vert. Hein. Enfin, bleu et vert. Je pense qu'on va attaquer un make-up cocktail demain. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 mats. 2 satinés, un pailleté et celui-ci qui est marbré. On va voir ce que ça donne. Il y a des belles teintes aussi, hein, mais je pense qu'on sera plus dans du vert hein, que dans du bleu. Je sais pas, on verra ce qu'on fait demain. N'oubliez pas qu'il y a une petite surprise également à la fin de la dernière vidéo. Comme d'habitude, vous avez toutes les vidéos qui sont déjà sorties en barre d'infos. Le lien vers les palettes. Et voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. À part, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me dire en commentaire si vous allez acheter la Verso. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.